Bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur Causer Peuple. À nous retourner une troisième fois pour nous venir partager information sur là ensemble avec vous. Pierre Diomedor, Peter, 45 ans, membre actif. 400 Marozo, la police arrêtée jeudi, vendredi 27 mai 2022 dans le département centre pays d'Haïti, plus précisément dans la commune Mibale. Dans le moment citoyen, et a tenté moucha pour lui pour être capable de rentrer Saint-Domingue. C'est un déporté lié. C'est lui-même qui t'a interprété pour le mois sans jour. Dans le moment, le mois sans jour, tu as kidnappé 17 ressortissants américains. Mais c'est États-Unis, l'État vive, ils ont déporté, voué l'Haïti, les jeunes ont un job, la caille, le mois sans jour. Nous avons son, nous avons une image, nous parlons de porte-parole PNH qui t'a donné plus de détails. Après, Malfoyo fin assassiné. Président Jovenel Moïse, après ancien président Joseph Michel Martelly, fin après nouvelle ça, que yo assassiné président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour l'ouvrir et 7 juillet 2021. Michel Martelly avec Zamilio, Seroum, Clérin, Divin, ou tap coulé dans la cour Miami. Est-ce que ce saisissement qui la cause ancien président Michel Joseph Martelly tape couler boisson comme ça? Est-ce que c'est contentement? Nous gissons, nous gagnons image, nous pour attendre ancien premier ministre Claude Joseph qui tape mettre causé à terre. C'est prince ça avec divers lots nous porter pour vous, mais juste avant, pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça la cap permettre un channel causé peuple là. Pour ce poupi devant, mon Chili, mon Brésil, mon Canada, mon États-Unis, mon la France, mon Haïti, Saint-Domingue, mon salut nous tous. Mai 2022, on a annoncé à la population que la police a arrêté hier, Dieu Médor Peter, 45 ans, monsieur fait partie, membre influent, groupe 400 Marozo. C'est lui-même qui t'est servi comme moun qui t'a traduit pour la mort son jour, jour où il t'est enlevé et séquestré missionnaire. Samedi, ça t'est passé samedi 16 octobre 2021. Monsieur était activement recherché par la DCPJ. Et la police a arrêté M. hier dans Mibale, hier qui était 26 mai 2022, je me dis à Mibale, pendant que M. a essayé de prendre la fuite pour aller à Saint-Domingue. On a profité de dire à la population que la police nationale livre une bataille sans merci contre tout kidnapping, contre tout trafiquant d'armes et munitions, même le que. Lui autant que dans la fuite, la police a fait tout ça capable pour que l'arrivée et peigne l'eau conduit devant la justice. Et la police n'est pas là. Et toute la police a été mobilisée derrière hier, Dieu Médor, Peter, qui était servi, je vous dis, comme monde qui a traduit pour le mensonge où il a été kidnappé 400 missionnaires. Et la population, pour aller garder monsieur. Et vous pouvez faire un peu le monde qui. Si vous habituez à M. Apoel directement lui-même, alors c'est M. lui-même comme membre influent de son Marozo qui était traduit pour le mensonge, je vous dis, pendant l'enlèvement, des jours d'enlèvement missionnaire qui était fait le samedi 16 octobre 2021. Vous déporté citoyen sorti dans le pays États-Unis. Nous ne connaissons pas qui s'est fait États-Unis qui fait déporter. L'arrivée à Haïti, il n'y a pas qu'un job. Le mensonge jour, balion job, nous ne connaissons pas combien de cob, le mensonge jour, te kon paye citoyen ça. Bien, le mensonge jour, kidnappé 17 ressortissants américains. Le mensonge jour, te mandé 17 millions de dollars américains pour te capable de libérer 17 ressortissants américains ça. Jusqu'à maintenant, on a parlé avec vous là, nous ne connaissons pas combien de cob. Gouvernement américain qui baille le mensonge.
nous nous libérer. Nous nous disons, c'est parler cet esprit qui est arrivé sauver. Mais qu'on y a, interprète là, le citoyen qui t'a traduit pour l'homme sans joie, il met en bas code. Beau travail la popo, pas faibli, pas molli. Je veux dire, sous besoin numéro 1, PHTK, n'est-ce pas, c'est parler de justice pour le président Jovenel Moïse. Et ça, ce n'est pas sans raison, c'est Libéris, c'est Claude Joseph, c'est tout le monde qui a parlé de justice pour PHTK et pour Jovenel Moïse que PHTK a pointé du doigt. Et puis bon, évidemment, les autres assassins, les autres assassins, parce que le crime pour moi-même a une dimension transversale, il n'est pas seulement sorti, on ne va pas dire PHTK participer, n'est-ce pas? Mais comment gagner une dimension transversale? Mais un silence qui est organisé sur le crime de Jovenel Moïse, sur l'assassinat. En dans le gouvernement, un silence qui est organisé. Il y a un silence total. Et silence, excusez-moi, il n'est pas converti en obstruction totale à la justice. Par exemple, nous fait arrêter Sami Randal, Turquie, le gouvernement ça n'a pas fait une démarche. Où est-il? Le gouvernement ça a pas organisé pour faire la guerre. Il est où ça? Et Turquie. Jusqu'à présent. Ouais. Ou pas au courant de démarche qu'il a fait? Je suis au courant, mais je ne peux pas vous parler là. On va parler de ça? Ouais. Vous pensez que monsieur sont un élément clé dans l'enquête là? Le rapport de CPJ a dit ça. Mais si on parlait très peu de lui dans l'enquête là. Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait très peu de Andas, parce que oublié. Oui, mais pas bien qu'il me fait arrêter, monsieur. Turquie, pendant la traversée de la Jordanie, c'est moi qui fais arrêter. C'est moi qui fais activer notre tissu, monsieur. Mon relais et Turquie, de mon bien avec le ministre des Affaires étrangères, qui c'est de mon qui a un bon rapport avec Jovenel Moïse et moi-même, il a arrêté Sami Randal. Il a arrêté Sami Randal. Il y a tant de documents dans le gouvernement, ça, qui n'est pas jamais envoyé. Parce que ça n'a pas préoccupation du gouvernement, ça, qu'il a. La question de justice pour le président Jovenel Moïse, c'est pas préoccupation. Yo. C'est pas préoccupation. Yo. Donc, plus on est capable de tout faire question, faire silence, c'est plus c'est bon pour yo. Absolument. Mais pour exemple, sur l'assassinat même, et Claude Joseph, ancien premier ministre, comment expliquez-vous Jovenel Moïse aussi, comme si monsieur son chef d'État, avec toute sécurité, ça, yo, mais toujours poser des questions à tout le monde, mais ou même surtout comme chef, ancien chef CSPN. Pourquoi quand on peut se tuer par un monde qui vont zoter et casser? C'est bizarre. Mais c'est pas bien, c'est des millions de dollars qui dépensent. Moi, maintenant, on est Saint-Just dans une démarche là, qui dans la République dominicaine, pour 20 millions de dollars qui traversent dans la Banque République dominicaine, gagne un expert dominicain qui toujours parle sur la question de la République dominicaine. Donc, c'est un pile d'argent pour infiltrer. Sécurité président Jovenel Moïse, sécurité président, hein? Il a infiltré, il a trouvé le comme c'est rien. Et là, moi-même, moi pensais que, par exemple, les UDIM, puisque enquête l'a dit que le président était le Léon, et il était le de l'autre monde, et moi, les Léon arrivé, par exemple, est-ce que Léon est tard, ou bien est-ce que Léon lui-même, personnellement, est arrivé? Est-ce qu'on pas gagné, hein? On est capable de dire la police là, non mais commissariat puis pour la police elle va aller. Ouais. Est-ce que par exemple, dans où sa police là, est-ce qu'il y a un peu d'implication, mon qui n'a pas le président? Non, écoutez, parce que pour qui ça, par exemple, commissariat puis pour la police aller. Maintenant, on ne peut pas comprendre que les deux mon arrivé, tout on avait expliqué épisode ça. Là, il est pour entrer, par exemple, on dit la pantrée, Dimitri Dil se dit qu'il a fait travailler. Et le président de machin d'org. On songe et gagne 11 ans le président qui dit dans le téléphone, mais qui t'est. On a excusé, mais qui t'est ça? Comment on a dit, là, il a répondu à Cléon. Comment on dit que c'est dit, ça veut dire. Est-ce que bon, même si c'était dit. C'est un pays quand même. Même si c'était dit, on va rentrer quand même. Et puis, je ne sais pas comment fonctionnement dit, je ne sais pas comment on fonctionne sans la police nationale d'Haïti. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour rentrer la cap, bon, président, dans quelle histoire, pays dans le monde là, que dit qu'on entre la cap en président? Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je pensais que gon légèreté, moi, je pensais que Léon, par exemple, goûte un problème de leadership, un, il y a un côté dans la police là, et depuis le Yonomel,
il était difficile même pour accepter. Le primatu a fait de questions techniques, etc. Mais là, monsieur, il vient dans la police à tout. Monsieur boycotté. Mais monsieur, tout pas un leadership. Et pas parce que il y a quelqu'un qui a boycotté, vous ne travaillez pas avec vous. Et Léon croit que depuis mon boycotté, c'est écarté. Et je ne crois pas que c'était la meilleure méthode que Léon a utilisée jusqu'à ce que Léon fasse un pile et demi. Parce que Pierre-Espérance dit que Léon était supposé au courant du crime et qu'il gagnait un commissaire de police, qui est Ménard, qui a des informations, qu'il était contacté, monsieur. Bon, il faut Ménard en parler. Si c'est vrai, il faut. Non, si c'est vrai. Bon, Ménard, il dit que l'attend que la justice crime. Oui, si c'est vrai, il faut Ménard. Il était allé à Léon Charles et que Léon Charles n'a pas fait cas de lui. Il était serré les jovenels, il fait tout ça qu'on a pour des informations, il était impossible. Si c'est vrai, il faut que Ménard. Les mêmes n'est pas allé. Mais maintenant, quand Léon, moi, pensais que c'est un problème. Et seul problème, c'est qu'il y a son problème de leadership dans la police. Par exemple, j'ai gagné un jeune intellectuel qui est le James Boyard. Je m'ai mis dans le cabinet, moi, et Léon pas d'accord parce qu'il pensait que monsieur, c'est membre 509, etc. Mais c'est faux. C'est-à-dire que Léon a une capacité pour écarter une série de monde qui n'est pas capable de dire. Pas d'accord avec elle. Or, moi, pensais que Léon, on toujours dit ça. Je dis, Léon, regardez moi-même, par exemple, dans le ministère des Affaires étrangères. Je ne pas collaborer seulement avec un qui est d'accord avec moi, je collaborer avec un qui n'est pas d'accord avec moi. Mais la police nationale, là, je pensais ça tout. Ou tu es supposé, parce que Léon vient un colonel, j'allais dire un général, c'est un soldat dans la police. Là. Donc, il était un petit genre grave. Or, moi, pensais que Léon a une volonté. Moi, je pensais que le leadership Léon laissait à désirer. Et je pensais que Jovenel Moïse Mouri, même si Michel Martelly n'a pas participé là-dedans, mais il a dit bon débarras. OK? Parce que Jovenel Moïse Mouri, moi, j'ai toute information que monsieur Yona Miami, Yoshita, c'est Boya Boué. Je me suis mouria. Yoka Martelly, c'est Boya Boué. Non, donc, c'est quoi de Kapil Tibotaï? Non, ça c'est bonne information que m'a eu. Ok, c'est donc, pour moi-même, moi pensais que Jovenel Moïse Mouri, même si Martelly n'a pas participé à la question, hein, c'est un ancien président, je ne sais pas quoi finir choisir au monde que le Baltouil, mais et bon débarras parce que d'après vous, Jovenel Moïse va organiser une élection. Et que c'est de l'autre monde là-bas, ce n'est pas eux-mêmes. Donc, il n'est pas pour retourner au pouvoir. Mais c'est pour ça, Jovenel Moïse? Non, moi, d'après eux. Ah, ok. Ça veut dire, dans le cas que vous avez dit bon débarras, je ne peux pas dire que Martelly peut participer dans tout le Jovenel Moïse. Je n'ai pas de preuve de ça, c'est scientifique. Mais le comportement d'après, je dis pour moi bon débarras, puisque, un, de vous parler de l'assassinat de justice pour Jovenel Moïse, la bande à PHTK, mais particulièrement les dirigeants, pas les membres, Yo fâché avec vous. Ou c'est la personne à abattre. Pas bon exemple. Pas gagné aucune position, je dis, que Ariel Henry a pris pour contacter Martelly. Non, pas gagné décision que la prendre pour contacter. Mais pas bonne décision. Vous prenez décision même? Oui, pas bonne. L'homme prend position par rapport à la République dominicaine. Pour me rappeler à Abinadel qu'il n'est pas le président de l'île. Et que Bola Kayo gagne sécurité, tout, il n'y a pas juste une sécurité en Haïti pour faire des capitales et dans la région et internationale. C'était un moment pour le Premier ministre d'alors de prendre Magaïsa et puis le voyer Daniel Supplice, République dominicaine. Et pauvre Daniel Supplice. Je dis que on fait la diplomatie sur Internet. Oui, pauvre Daniel Supplice. L'aller en République dominicaine, il est bien reçu par les Dominicains qui gagnent une haine contre moi. Et puis, moi, le ministre, Ariel, dit Premier ministre, vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le droit de voir au monde. Et en République dominicaine, ils ne sont pas contactés. Donc, vous même quoi? Non, monsieur, je ne sais pas le faire, ça ne va pas contre qui le monde. Ariel est un homme sympa, hein? C'est un homme simple, il faut me dire ça, hein? C'est très simple, c'est quelqu'un qui est aimable, faut me dire ça tout, hein? Et puis monsieur, non, il est aimable, monsieur il est mon ami, et puis monsieur dit mon cher, et Daniel Supplice, on voit l'autre bois là, la décision pour qu'on se le barre et regrette, monsieur qui ça vous ministre, je dis avant vous, monsieur Ali, je ne dis pas Martelly ça. Comment?
Il dit, avant de voir Daniel Supplice comme émissaire, le bois dans ce domaine, il n'a pas dit Matéli. Ça même dit ça? Oui, il dit, c'est ça le vrai que rien. Comment? C'est Matéli? Non, parce que probablement, entre Daniel Supplice et Matéli, il y a les bagalas pas trop en foi. Mais c'est une affaire étrangère? C'est une affaire étrangère. Vous voulez dire que je suis consulté Matéli sous décision de la prendre? Oui, sous décision. Il dit, c'est le vrai rien. Et lui va obliger les Matéli pour l'expliquer pour qui ça c'est monsieur le voyez. Parce que dans tête Daniel Supplice, tout y aller. Peut-être que après il n'y a pas. Mais Daniel Supplice, c'est parce que quelques partis politiques qui parlent conseiller que c'est Daniel Supplice qui vit une ministre affaires étrangères. Mm-hmm. Et Daniel Supplice n'a pas beau ministre affaires étrangères. Mm-hmm. Son intellectuel, mm-hmm. bel calibre. Moi, je rencontre monsieur, moi, même monsieur, je l'ai monsieur. D'ailleurs, son on t'a suivi des biens avant des ministres. Mm-hmm. Puis faux amis, ça veut dire que si c'est Daniel Supplice qui est ministre affaires étrangères, bien content. Mm-hmm. Et M. Vigny, effectivement, je dis, Claude, mon cher, mais ça me joigne, mais ça me fait, etc. Sympa, mm-hmm. très. Mais Daniel Supplice, par exemple, on est beau diable, il ouvre le bois. Je n'ai pas besoin de le ministre affaires étrangères parce que, par contre, c'était un petit contentieux avec Matéli. Vous comprenez? Or, je crois que Daniel Supplice a fait un très bon ministre des affaires étrangères. Ok, nous pouvons faire un chapitre parce que vous allez dans ce domaine. On a fait un ministre. C'est domaine. Ok. Et assassin, il y a un plan. C'est fait toute victime une des bourreaux. Et Martin Moïse. C'est un monde qui est pour moi-même, je ne parle pas de ça, même qui est traumatisé, qui a fait deuil, qui a guéri, que priorité, c'est justice pour Maril. Dans tout le détail, c'est le monde qui a parlé. Parce que assassiner tous les présidents Jovenel Moïse, il faut que les jeunes de monde, dans la Martine, ou bien Claude Joseph, ou bien de l'autre monde qui est proche, pour dire que Mounzaïo, c'est eux-mêmes qui gagnent de l'explication à. Avec la justice. Mm-hmm. Donc, moi, je pensais que c'est faux. Mm-hmm. Ouais, et que moi, je crois et moi, je souhaite Martin Moïse courage pour la bataille. C'est mon projet tout, pour le président, pour le candidat à la présidence. Et moi, je pensais que c'est de bonne guerre. Claude Joseph, dans la République dominicaine, aussi principal, on comme un défenseur bataille pour que Haïtiens rejoignent. Pour un meilleur traitement de Haïtiens, justement, et dans le pays de la République dominicaine. Mais depuis quelques temps, il a arrêté Haïtiens, il a déporté Haïtiens, même qui est papier, il a déporté. Et nous, on fait au principal défenseur de Mounzaïo. Bon, écoutez, pour nous terminer, et m'a dit que moi, j'ai toujours voulu de bonnes relations avec la République dominicaine. Mm-hmm. J'aime toujours dénoncer des rives, ni l'aime des ministres, mm-hmm. ni l'aime pas ministre encore. Mm-hmm. M'a toujours fait ça et m'a toujours pris position pour nous finir avec pour Dominicains respecter. Moi, quelle compression là, moi, marché pressé. Non, c'est pas marché pressé. Nous avons l'autre rencontre pour aller, pour okay. aller. On a fini en 5 minutes. Même bon 2 minutes encore. Ok. Ou dans la rue, ou tout partout au marché, ou pas la commune. Moi, Jean-Charles, lycée Moun Matéli, bon Moun. Madame Matéli, monsieur dans tout l'autre monsieur dans l'opposition, yo. Donc c'est un monde effectivement qui a une capacité. Transversalité. Et puis bon, son un vieux de la vieille. Donc ça veut dire que Ariel Henry a gagné une capacité. Ça. Alors le président a présenté Ariel, il dit écoutez, mais monsieur avait expliqué comment Matéli choisit. Il a presque montré son bagage qui est mystique. Vous n'êtes pas avec, etc. Mais pendant l'en parler, et monsieur dit le pral sorti Matéli ferme pour la Kimbemel. Monsieur dit le Matéli Kimbemel lui tremblait comme s'il prend frisson comme s'il avait Matéli tremblé mais je lui-même mm-hmm. il montrait que c'est un bail qui mystique Jean Matéli choisi là. Donc en un mot c'est pour dire que Matéli choisi dans des conditions côté gain un peu le monde qui pas de vle lui-même je dis il retourner faveur à Matéli. Si Blanc a un problème avec Matéli, il va même gérer ça, les mêmes n'ont pas qu'un bagage ça pour entrer dans la polémique avec Matéli. Il a parlé de qui ça exact? Il a parlé de choix Ariel Henry. Il a parlé de choix de Ariel Henry, mm-hmm. qui est un choix essentiellement et exclusivement Matéli. Okay? Et Jovenel a dit ça à la réunion. Oui, Jovenel est clair. Dans la réunion, il est clair. C'est un choix. Il dit ça avant, et il dit ça devant Ariel.
le choix d'Ariel, c'est un choix exclusivement télé. Mais le président Jovenel Moïse, c'est un président extrêmement intelligent. Il présente Ariel à l'opposition. Il présente un série de monde, etc. Et puis, il relie chaque grand monde dans l'équipe pour le présenter Ariel. Tout le monde qui est dans l'équipe pour le présenter Ariel. Pour faire ou accepter Ariel. Il y a des gens qui ne pensent pas qui n'étaient vraiment pas d'accord avec la question de Matéli, parce que son énième premier ministre Matéli. Oui, que Lini Balthazar, que j'étais Tessa, du moins, il dit que bon, le président, les deux sont en vitandé, donc le président, lui, il a l'idée que c'est Matéli qui. Non, c'est pas. Il n'est pas monsieur pas même présenté, pour dire nous c'est parce que monsieur a une position par rapport avec. Question ça yo, ouais. Et d'ailleurs, il t'a plus aimé pas dire M. Matéli que dire M. Matéli. C'est parce que je venais à l'aise avec. Mais vous êtes choqué? Non, c'est le choix d'un président. C'est le choix d'un président, c'est fini. Moi, pas gagné pour me commenter ça. Et effectivement, Jovenel Moïse a choisi Ariel. Et c'est la première fois qu'on a Ariel d'où? Imposition. Mais je trouvais Ariel très sympa, franchement. Hein. Première fois de rencontrer? Première fois de rencontrer. Ariel est un peu de son monde que nous parlons de travail, parce que c'est avec Jovenel, bien sûr. Ariel était sympa. L'après l'MPM, je dis que je parle de l'MPM, moi l'MPM, je dis que je parle de l'MPM. Moi le docteur, je dis que je le docteur. Qui est Ariel. Ariel. Donc, Ariel a cette capacité, hein, et il faut qu'on reconnaisse ça. Monsieur, c'est président Mouri assassiné. Ou pas jamais entendu gagner en position de PHTK formellement sous le président Jovenel. Jovenel Moïse mourit, Claude. Façon éventuelle, n'est-ce pas, dans l'assassinat du président Jovenel. Vous avez dit Balthazar est aussi. Non, parce qu'il a un mandat. Il a un mandat d'elle. Il faut que ce mandat ça fait. Donc il a un mandat d'elle sous l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et vous avez répondu. Et il faut que l'iné, par quoi qu'un bon matin. Moi-même, au monde d'un coup, m'a oublié que le mandat d'Ariel dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Moi, pas oublié. Tout comme je n'ai pas oublié que Ariel, quitte le pouvoir, quitte pas le pouvoir encore, je n'ai pas oublié que Ariel, c'est un suspect important dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour avoir communiqué avec Félix Badio deux fois dans la matinée et que Félix Badio te trouvé le bolakai Jovenel Moïse. Donc, au monde n'a pas oublié que Ariel Henry, c'est un suspect important qui aujourd'hui est en train de faire obstruction à la justice. Ariel Henry a fait obstruction à la justice. Depuis le monté, enquête la bosée, pas une enquête encore. Donc, pas de piga ni Lini Balthazar. Mais après, qui l'a ouvert écoutez. Piga ni Lini Balthazar du PHTK, ni Ariel Henry pensait qu'un bon matin, il a oublié comme monde qui éventuellement participait à l'assassinat. Ils vont répondre un jour ou l'autre, puisque. Un jour ou l'autre. Si la justice relève, un jour ou l'autre. Oui, à partir de. Au même temps. Ou t'es chef gouvernement? Ah, bien sûr. Non, vous-même. Vous songez que vous t'es. Non, moi-même, regardez-moi après. Écoutez, n'importe là, la justice. Là. Parce que, écoutez, on est quitté pour un ministre, c'est normal. Il faut la justice étendue. Même si on est qui levé dans le grand pays. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si la justice est le même problème. Il faut que je me demande qui ça va gagner. Vous avez aucune conversation avec Ariel Henry après assassinat, jour assassinat, ou pas aucun contact du tout? Oui, au contraire, je fais contact avec Ariel. Juste là. Oui, je fais contact. Et moi, je dis, monsieur, comme ça que. Moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai sur téléphone normal. Moi, je dis, premier ministre, comment est-ce que vous moi, je dis que, autant de ça m'attendait, il dit, oui, il tendait. Et puis, il me dit, eh bien, d'accord. Et puis, moi-même, je connais, il faut me prendre des dispositions, peut-être pas. Parce que, je m'apprends tout. Mais, par exemple, on dit que le pouvoir, comme premier ministre, désigné, même si premier ministre. Désigné, premier ministre désigné. Mais, en tant que ministre, en fonction. Non, moi, comme premier ministre désigné, mais qui éventuellement, s'il a la capacité, même capacité à même, je sois, et s'il n'est pas impliqué, monsieur t'apprend pouvoir, il t'apprend disposition. Moi, c'est ça? Oui, non, c'est moi. Écoutez, la question, c'est moi. C'est à la dernière minute, à 6h du matin, 5h, 6h du matin, que on prend commande. Tout véhicule, flotte de véhicule, était dans Ariel. Mais Ariel t'a couru. Même qui connaît, il dit que Ariel t'a couru. Couru à qui moi? Je ne sais pas. Parce que je dis, mais j'ai un vol, t'es prêt pour sécurité? Non. Écoutez, il y a une information qui est plus importante bon, que ça, non, malheureusement. Il y a une information d'État. Il y a une information d'État. Et moi, je me suis dit que je suis un peu dans le pays. Alors, je suis un beau primature d'ailleurs. Beau primature, je suis un. Ariel Henry, ce soir.
Ariel Henry, ce soir même, et monsieur fait des rencontres. Et là, m'a cité le jour soir assassinat. Monsieur le président. Du soir. Et monsieur vient peur. Parce que pensait que bah, le fait que aucun des Colombiens, toute parole va le parler. Mm-hmm. Là, dans l'hypothèse, hein, aucun des Colombiens, tout va le parler. Ariel Koury. Moi, arrêté. Parce que si je suis un assassinat, je suis couru tout. Moi, arrêté pour assurer la sécurité du pays. Ariel Koury. Et Ariel te gagne tout véhicule dans main. C'est le Yoé Ariel Koury. Le coordonnateur de la primature, Rélim. De la sécurité. De la sécurité. Mm-hmm. Rélim, les dit, comme c'est moi-même qui pour un ministre, encore, qui ça pour le faire? Il me dit, bon, fait, chef sécurité, moi, l'eau. Mm-hmm. Et puis, tout côté après les moins, qui ça m'a fait, etc., etc. Donc, il me dit, je vais quitter le pays comme ça. Mais en principe, si Ariel n'était pas un lâche, c'est lui qui te prend pouvoir. Ce n'est pas moi-même. Parce que nous avons déjà voyé Bali, toute flotte. Flotte, c'est tout le monde. Vous avez dit son vide comblé? J'ai comblé en vide. Oui. Tout le monde. Attendez. Et soit parle avec tout le monde qui te connaît événement, il y a tout ça. Moi, je veux une flotte. Si je veux une flotte machine, je ne suis pas ministre. Quelle machine ça fait venir, jeune homme? Eh bien, le coordonnateur. Et les autres membres de sécurité primature qui jugeaient bon que le pays avait arrêté comme ça, vous voyez. Et puis, automatiquement, c'est moi la presse après l'international. Vous savez Ariel, vous dites Ariel, vite pour Pestalo. Non, attendez. Ariel a vite pour arrêter. Ariel, c'est après deux. Attendez, écoutez. Il faut comprendre la situation. Vous voulez qu'il est Ariel, ouais, pour le tourner. C'est là, monsieur, ouais, par exemple. Nous pas qu'on a rien, oui. Moi pas qu'on a rien. Gros ami, bon ami qui l'autre bord. Monsieur dit, depuis tant de badjo, il y a trois mon oué. Ariel Henry, Paul Denis Léon Charles. Monsieur dit, depuis badjo là, mais trois mon zao, parce que Léon Charles c'était tes amis badjo, mais je viens de comprendre que Léon Babalak avec badjo pour bon temps. Mais moi-même, je ne connais pas les gens, je ne connais pas mon yo. Badjo, par exemple, je ne connais pas. Monsieur dit que Badjo, c'est un opérateur. Ou pas capable de Badjo, un côté, pour ne pas attendre Paul Denis là, pour ne pas attendre Ariel Henry là. Mais est-ce que vous connaissez, si vous connaissez tout le bagage à yo? Je ne connais pas. Donc, Ariel, les courriers. Et vous, c'est pas très bien, monsieur dit, monsieur, comment vous avez arrêté ma pestalo? Non, attendez. Je prends de position pour le pays. Vide. Ouais, ma prend, et premier ministre. Encore. Et mon premier ministre. Parce que vous pas ça. Oui, oui, moi dire que même si mon peuple, même si m'était toujours premier ministre, Ariel Henry avec les dispositions de l'État que dans main, il était en bonne position. Donc c'est n'est qui fait discours en vente chef. Non, c'est pas même ça. Non, mais c'est pas même ça. Ariel Henry t'a venu un bon leader, mais t'a pas accompagné. Si M. Télélo, le matin, M. Douga, pour disposition. M. Sekouré la cour. Pour M. Mbouala l'arrêter. Pour qui ça? Parce que Ariel, selon, même dit, faut contre l'implication de Ariel dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tu as dit l'implication? Oui, l'implication présumée. De Ariel Henry dans l'assassinat. Et non, et si M. va dans l'émission, il va arrêter là. Parce que je ne vais pas parler, je vais faire des signes qui ne sont pas intéressants. Non. Yeah. Je le bel abdé. Ok, d'accord. Donc, l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'implication de Ariel Henry est presque claire. Est presque claire. Même si, dans un premier temps, pas de monde qui connaît Ariel Henry participer dans l'assassinat, ou bien impliqué, présumé, mais toute démarche pour se faire obstruction à la justice, pour qui ça? Est gratuite. Est-ce que c'est implication lui-même directement, ou bien parce que lui-même, il protège les assassins? Donc, pour moi-même, c'est soit qu'il est Mbawe, pour qui ça? Ariel Henry, tu as participé. Mais dans quel moment de la durée, vous venez des soupçons, vous venez commencer à questionner? Mon cher, moi, je viens des soupçons, c'est l'heure.
rapport NDDH là? Non, même ça, même pas ça. C'est pendant que mon ministre des Affaires étrangères et puis monsieur Waléon Lacaille, monsieur dit que il pas dit que Léon c'est un fin diplomate. Mm-hmm. Monsieur dit que il a progressivement privé son nèg yo. Il a progressivement privé son yo. Et ça vient fait que nèg yo ont bouleversé, yo progressivement privé son nèg yo. Et n'a progressivement privé son nèg yo. Et là ça m'a quoi rapport de CPJ de sorti, rapport de CPJ sorti m'a gagné copie, m'a gagné. C'est RNDDH qui pas le faire comprendre. Là moi ba RNDDH, moi le moment RNDDH. Me dit est-ce que nous sur ça nous mettait à œuvre. Et puis on a composé numéro, moi c'est numéro Ariel qui parle avec. Donc mais là, je n'étais pas dans le gouvernement encore. Non, là ça mon ministre affaires étrangères. Le RNDDH a sorti rapport. Oui. Non, ministre. Voilà, je ne t'attendais et garder là, c'est comme ça et porte-parole PNH Gary Desrosiers et t'es présenté ou bien t'as présenté individu ça qui est et Pierre Djemédor, Peter 45 l'année membre influent qui fait partie des bases 400 Marozoa. C'est monsieur qui te connu interprété pour base 400 Marozoa. Si on déporté, l'État vive dans le pays tout ensemble. Rentrer Haïti et l'homme a songé à un job. Bon, autorité va bail job. L'homme a songé à bail job. Oui. En tout cas, nous tendez ex-PM Claude Joseph qui t'a mis à cause à terre. Quand comment est-ce que tu es jovenel ici? En tout cas, Nabdou, merci à chaque monde qui te prend temps, yo, patience, qui t'attendait et garder vidéo si là. Et Nabdou, pas oublier, abonner, commenter, partager. Et puis comme ça, n'a qu'à permettre un channel causer peuple à pousser pour pire devant. Bye bye tout le monde. Ciao pour l'autre vidéo. À la prochaine.